nous avons fait un marché de dupes, nous avons échangé une valeur, un billet contre notre pièce d'or contre un billet sans valeur. Et là, nous allons connaître très vite le prix que M. Erdogan va mettre à notre complaisance. Parce que c'est une politique, comme vous le connaissez, menée au jour le jour. On essaye de boucher les trous, on déshabille Paul pour habiller Pierre. J'ai vu que, je ne sais pas qui, c'est M. Sarkozy qui propose que l'on aide l'Afrique de façon à ce que les Africains subsaharienne ne viennent pas en Europe. Mais avec quoi, M. Sarkozy? Avec des poux? Avec quoi? Avec quoi on va les aider? Nous avons 2 100 milliards de dettes. Vous me direz que c'est l'Allemagne aussi en a autant, et que les États-Unis en ont 10 fois plus, sans parler du Japon, qui en a 5 fois plus. Tout ceci, mesdames et messieurs, ne se terminera pas par des chansons. Et par conséquent, attendez-vous un jour à voir sauter la baraque monétaire et bancaire. Attendez-vous. Je ne peux pas vous dire le jour ni l'heure, nous ne la connaissons pas, mais je peux vous dire que c'est inéluctable. Donc à chacun de prendre ses précautions. Comment pourrait-on dire, mourir d'abord.